La deuxième gardienne, celle de la sagesse, nous accompagne durant le mois de février. En février, la lune des neiges nous transmet ses énergies. Cette lune nous amène à consolider nos forces grâce aux défis de la vie. Elle apporte alors la fertilité en faisant appel à nos ressources personnelles. Invoquez la gardienne du mois afin d'amener une protection sur une situation qui a besoin d'évoluer. Ceci amènera de la conscience et permettra d'accepter les défis à traverser et de persévérer jusqu'au bout. Partons à présent dans un petit voyage avec cette gardienne de la sagesse. Je vais te lire l'invocation. Essaye de ressentir les mots. Essaye de noter ce qui te parle le plus. Ce qui résonne. Installe-toi confortablement dans ta position préférée. Détends-toi. Prends de grandes inspirations et relâche longuement. Sois attentive à tes ressentis dans ton corps, les sensations physiques, les sensations émotionnelles, les images, les odeurs ou les sons qui peuvent survenir pendant que je te lis l'invocation. Puis nous partirons dans un voyage à la guimbarde pour laisser intégrer l'enseignement de la gardienne de la sagesse. Invocation. Ô gardienne de la connaissance ancienne, murmure-moi ta sagesse, que je puisse toujours me souvenir du mystère de la vie, des histoires des grands-mères, les actions braves, grandes et petites, les progrès du fidèle qui répond à l'appel de nos mères, les cycles et les saisons qui marquent chacun de nos changements, la renaissance de nos visions, l'esprit que nous avons invoqué. Ici, la vérité est la victorieuse de la guerre qui s'attarde à l'intérieur, apportant dans chaque cœur humain la célébration de la fin.
présent, porte ton attention sur le point de contact de ton corps avec le sol. Reprends conscience des limites de ton corps physique, de l'environnement dans lequel tu te tiens. Remue tes doigts et tes orteils. Étire-toi. Prends une grande inspiration et reviens dans l'ici et maintenant. Et ouvre les yeux.